C'est enfin mon heure. Je vais gâcher la fête de Noël. Je vais me débarrasser de ça et de ça aussi. Ha! Il ne peut y avoir qu'un seul bonhomme vert ici. Et c'est moi. Oh non! Qu'est-ce que tu fais à notre sapin de Noël? Oups! Qu'est-ce que tu fais? C'est pas drôle! Mamie! Hein? Quelqu'un m'a appelé? Je dois me dépêcher. Cette cheminée est vraiment étroite. Ah! Hé, hey, t'es qui, toi? Je devrais retourner faire du sport. Pleure pas, ma chérie. Qu'est-ce que t'as fait? Ha! Tout est de sa faute. J'ai rien fait du tout. Lâche-moi, vieillard. Je vais te donner une bonne raclée. Oh, oh, oh. Ah, arrêtez de détruire ma cuisine. Grand-mère, t'es trop cool. Oh, bande de coquins, vous avez intérêt de vous faire pardonner. Oh non, ils ont brûlé les biscuits de Noël. J'en veux d'autres. Oh, 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 c'est pas une bonne nouvelle, ça. Je vais faire des biscuits que tu n'oublieras jamais. Mes biscuits seront les meilleurs, j'en suis sûre. Général Mamie va tout donner. Voilà le plan. Rassemblez tous les ingrédients, c'est clair. Beurre, farine, œuf, ça donnera du goût. Compris? Et t'as pas intérêt de faire n'importe quoi, la grenouille. On va commencer par la farine. Verse-la dans le bol. Vite, j'ai peur d'elle. Plus vite! Maintenant, les œufs. Je vais faire tout ce que tu me dis, madame. La coquille. Sors-la de là et vite. On mélange avec du miel et du sucre. Pas de gestes brusques, sinon on va se retrouver dans la recette aussi. Allez, vieillard, on va finir ça une bonne fois pour toutes. Et l'ingrédient secret, le beurre explosif. Ah! La pâte est prête. Maintenant, on va la pétrir. D'abord, on l'étale bien. Puis on utilise la technique de Noël. Sonnez les cloches! Je crois que c'est pour moi. Cool! Et maintenant, prenez des rouleaux à pâtisserie. Ensuite, on peut choisir n'importe quelle forme et découper nos futurs biscuits. Comme par exemple un cœur. Ou autre chose. Un bonhomme de pain d'épices. Très bon choix! Je suis sûre que ça plaira à la gamine. Y a pas d'autre forme plus sympa? Ah, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est quoi cette tête? J'ai presque terminé. Je vais vous libérer, peuple de pain d'épices. Voyons voir. Miam! Regarde, je lui ai coupé la tête. Tiens-toi bien ou t'auras pas de cadeau. Vous êtes prêts? Car ça va chauffer. Jusqu'à ce que ce soit bien croustillant. Elle est d'enfer. Et t'es pas trop mal non plus, chérie. Oh, arrête un peu. Et on a terminé. On a bien travaillé. On va enduire les biscuits de miel et les saupoudrer de noix de coco râpées. Et pour que ce soit encore plus joli, on va ajouter des bonhommes de neige. S'il te plaît, sois ma madame de Noël. Arrête ça. Oh, pendant que personne regarde, le soleil va faire fondre les bonhommes de neige. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as fait ça? Comment ça? Me regarde pas comme ça. Comment ils ont pu faire ça? Pendant ce temps, je vais décorer mes biscuits. Oh, ça va être un vrai chef-d'œuvre. Arrête de m'éclabousser. Et voilà. Quoi? Je suis pas un clown. Laisse-moi me nettoyer un peu. C'est mieux. Merci pour ta barbe. Waouh, tu t'es bien débrouillée. Hé, bats les pattes. Je pourrais jamais aussi bien dessiner. Elle avait raison. Je vais faire n'importe quoi. Mais je vais essayer quand même. Les yeux... Où est la poubelle? J'ai une idée. Oui, boss? J'ai besoin de toi. Approche. Vous allez faire quoi? Laisse-moi te montrer. Tu vas me servir de tampon. Je vais aller vérifier le traîneau. Maintenant, c'est un chef-d'œuvre. Tu peux y aller. C'est le portrait craché de Rudolf. Comment tu trouves mes petits copains? Waouh, ça a l'air trop bon. C'est trop cool. Je vais d'abord goûter ceux du Grinch. C'est chelou. Qu'est-ce que c'est? Mon ingrédient secret. Pour que ce soit plus réaliste. Je croyais que c'était de la barbe à papa. T'auras pas de points pour ce round. Mais j'ai fait de mon mieux. Des poils, c'est un peu exagéré quand même. Ça, c'est une super idée. C'est rien que pour toi, ma chérie. Trop bon. Et maintenant, le biscuit. Un point pour toi. Hourra! Tout le monde a vu ça? Je suis la meilleure. Quel drôle de petit bonhomme. Retourne-le. Tu vas mieux comprendre. Comme ça? Hein? Pas de ce côté-là? Tourne-le encore. Et alors? Tourne-le vers toi. C'est très simple. Je comprends pas. C'est un biscuit ou un puzzle? J'ai déjà la tête qui tourne. Ouvre un peu les yeux. Oh,
j'ai compris. C'est super original. Trop bon. Je mets aussi un point. Sérieusement? Moi? On a tous les deux gagné, ma chérie. Et toi, t'es qu'une loseuse. Hé, vous réjouissez pas trop vite. Vous avez oublié le sapin de Noël? Vous avez détruit mes jouets. C'était déjà comme ça quand je suis arrivée. Bon, alors, comment on peut se faire pardonner? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais. Hé, t'es folle ou quoi? Ça fait mal? Je te donnerai même pas une seule miette. Rien qu'un petit morceau. Très bien, tu m'as convaincue. T'as qu'à t'en faire un toi-même. Quoi? T'es tellement toxique. Je vais me débrouiller toute seule. Espèce d'idiote de vieillarde. Je me demande s'il y a un jouet dedans. Oh, j'espère que personne n'a rien vu. Oh, oh, oh. T'as peut-être besoin d'aide? Oh, cette bouteille pourrait m'être utile. Ajoute des manteaux et le traîneau s'envolera. Super! Maintenant, j'ai même plus besoin de nettoyer. Oh, il a si chaud que ça. J'avais pas vu ça. C'est bon. Maintenant, un peu de sucre et on fouette. Super, je vais goûter. Délicieux. Il n'y aura pas de Noël. Oh, oh, oh. C'est pas drôle, jeune fille. Tu crains, je vais faire de la déco maintenant. Voilà un joli flocon de neige. Canon, pas vrai? On va le décorer avec de la crème. Et si on en empile plusieurs pour faire une pyramide, on obtient un sapin. Il est pas trop chou? Il n'y a plus qu'à ajouter les boules. Waouh, il sera quand même pas aussi bien que mon sapin en pain d'épices. On empile les biscuits en pyramide. C'est merveilleux. On va colorer les branches avec de la crème verte. Plus il y en a, mieux c'est. Regarde toutes ces couleurs. Et je saupoudre avec des vermicelles en sucre. Oh waouh, j'ai encore rien fait. Je sais. Je vais aller me promener. Oh! Quel festin! T'inquiète pas, jeune homme. J'ai un cadeau pour vous en échange. C'est à manger? Bien sûr. Tiens, du pop-corn. T'as juste à le faire chauffer. Avec quoi? Dis-moi, c'est bon ce truc? Je vais goûter aussi. C'est mieux qu'une carotte, non? Hé, 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 hé! Le clown Meredith va vous donner le sourire. Oups, quelle maladresse. Je vais vous montrer un autre numéro. Oups, j'ai plus de doigts. Et le revoilà! Venez voir mon spectacle. Mais me lancez pas de tomates. C'est pile ce qu'il me faut. Excuse-moi. Je serai pas long. Oh, oh, oh. C'est encore bien frais. Super numéro, ça m'a beaucoup plu, merci. Joyeux Noël! Hein? Avec ça, je vais certainement pouvoir faire quelque chose. Des légumes? Ça va pas être fastoche. Un cadeau! Pour moi? Comme c'est gentil! Y a quoi dedans? Un cube? Hé, repose ça! Les vilaines filles n'ont pas le droit au cadeau. Maintenant, au travail. Je suis un pro pour sculpter la glace. Oh, c'est pas magnifique? Je déteste la neige. Parfait! J'ai un cône. On va commencer par les tomates. Oh, ce sera le sapin le plus sain que j'ai jamais vu. Fait uniquement avec des légumes frais. Il est tellement beau. Je peux pas retenir mes larmes. Admirez. Ma plus belle création. Waouh, ils sont tous si colorés. Waouh, celui-ci est vraiment unique. Et il a l'air si sucré. C'est de la meringue. Trop bon. Ouais, ça lui a vraiment plu. Mais c'est quoi qui craque comme ça? Beurre! Une coquille d'œuf. Quoi? Et mon poing? Hé hé, dans tes rêves. C'est quoi cette salade triangulaire? Beurre, ça sent trop bizarre. Je vais prendre qu'une bouchée. Beurre, ça va pas du tout. Oh oh oh, c'est vraiment pas juste. Il reste plus que le sapin de grand-mère. Ça a l'air pas mal. Tous les étages sont collés ensemble? Oh non! Voyons voir. Oh là là, je stresse. C'est... Oh non! Pousse-toi! Ah, me tombe pas dessus! Délicieux! Un point pour grand-mère. Hé hé, j'ai réussi! Qui a détruit le gâteau? Oh, c'était donc ça! Je me demandais sur quoi j'avais si bien atterri. Oups! Tiens bon, mon pote! Ah, coupable! Bien joué! Ha ha ha, c'est donc pour ça que t'as pas de pantalon. Hé, hey, tais-toi! Oh, désolé si je t'ai vexé. Je vais m'envoler! Waouh, quelle femme!
Désolée. Maintenant, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Alors, qui veut jouer avec moi? Hein? Qui? Ça, c'est mon poignard porte-bonheur. Patouche. Maintenant, je vais ajouter du chocolat. On le casse en morceaux et on le met dans un bol. Hé, beau gosse! Oh, elle me rend dingue. Allez, embrasse-moi. Il est chaud, celui-là. Je vais faire fondre le chocolat sur lui. Oh, c'est le moment de l'enlever. J'ai presque terminé. Maintenant, on étale le chocolat dans le moule qu'on a découpé. Ah, merveilleux! La première partie est prête. Maintenant, on le remplit de crème fouettée. Puis, on met des biscuits pour la deuxième couche. Ces défis me fatiguent. Donne-moi ça, c'est pour imbiber mes biscuits. Ce sera trop bon! Et maintenant, on recouvre le tout d'une autre couche de crème fouettée. Mon petit gâteau en forme de maison est prêt. Il reste plus qu'à ajouter de la neige. Et des sapins en pain d'épices. C'est pas merveilleux? Et bien sûr, un peu de sucre en poudre fera pas de mal. Regardez comme tout est recouvert de neige. Allez, on va essayer d'assembler quelque chose. J'étale de la crème sur chaque couche. Puis je les empile les unes sur les autres. Encore quelques couches. Oh, c'est trop cool! On va faire un motif festif. Et le reste sera pour moi. Miam, c'est délicieux. Je vais en garder un peu pour les sapins de Noël. Oh, 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 je suis le Père Noël. Je suis vieux, nul et maladroit. Attends voir un peu. Oh, je m'attendais pas à ça. Tu peux m'aider? Désolée, tout est fichu, j'en ai marre. Ce concours est une blague. Je suis bon pour distribuer les cadeaux, moi, pas pour faire des gâteaux. En parlant de livraison, Troom Food, un gâteau, s'il te plaît. Merci. Et l'argent? Laisse-moi réfléchir. Tiens, un cadeau. Waouh, un cadeau surprise, merci. Faut que j'ajoute quelque chose de personnel. Je vais le décorer avec de la crème. Ça fait un peu peur, mais on n'y fera pas attention avec le sapin. Très créatif, pas vrai? Maintenant, je suis rassurée. On est tous prêts. Tu veux les goûter? Waouh, vous vous êtes tous bien débrouillés. J'arrive pas à me décider. Quel gâteau tu préfères? Celui-ci a l'air vraiment cool. Oh, merci. Vous avez entendu ça? Pourquoi lui en premier? Trop bon! Attends un peu, ça a été livré par Troom Food? C'est pas juste, t'es disqualifié. Quoi? Mais il t'a plu? C'est qui le loser maintenant? Le Père Noël a trébuché ou quoi? C'est trop cool! C'est pas cool! Tu cherches les ennuis? Il a pas l'air content. Je laisserai pas passer ça. Ah! On va passer à la dégustation. Miam, c'est délicieux. Je me régale avec ce gâteau. J'arrive pas à m'arrêter. Oh, et le dernier morceau? J'en peux plus. T'as gagné un point. Aïe, 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 un point! Enfin! Grand-mère, il reste plus que ton gâteau. Le pain d'épices, c'est clairement ta spécialité. On va goûter. Excellent. Y a quoi à l'intérieur? Waouh, y a tellement de trucs. Miam, c'est ouf. Je pourrais manger ça toute la journée. C'est incroyable. Félicitations. Est-ce que j'ai vraiment gagné? Quoi? J'y crois pas. Mais pourquoi? Bravo, vous avez tous bien travaillé. Ha, vous avez vu ça, hein? Maintenant, dégagez. C'est l'heure de la danse du champion. Arrête d'agiter tes pieds devant moi. Je t'entends pas. Qui sait? On dirait qu'il est temps pour moi d'y aller. Joyeux Noël. Voyons voir. Waouh! Le Grinch est là. Il nous a volé Noël. Du calme, du calme. Entrez dans la maison. C'est vraiment pas sympa. J'espère qu'il y a quelque chose de bon à manger. Hé, hey, t'as oublié quelqu'un? Calme-toi, chacun son tour. Le Magic Santa Scotch a aidé à régler ce problème. Super! Maintenant, le Père Noël est prêt à écouter. Mommy sera la première à raconter ce qui s'est passé. Mais le Père Noël n'a pas tenu compte du fait que seule Mamie la comprend.
Alors, on n'écoutera pas, on regardera. C'était une matinée habituelle pour maman. Elle s'est réveillée et... Ok, tu peux accélérer un peu? D'accord. Le matin, Mommy a découvert que quelqu'un avait été dans sa chambre. Eh bien, le détective Père Noël est en activité. Mais c'est affreux, quelqu'un a volé les cadeaux de Noël! Eh bien, tout est clair. Ou ça ne l'est pas? L'enquête de Noël se poursuit. Écoutons ce que les Rainbow Friends ont à dire. Un type diabolique a mis tout sans dessus dessous dans sa maison. Tout le monde reste où il est. Waouh, le pauvre Pikachu a été volé aussi. Oh non, elle parle si vite qu'il est impossible d'obtenir quoi que ce soit. Ils devront enquêter sur l'épreuve. Le Pokémon est tellement enthousiaste qu'il parle à la vitesse de la lumière. Peut-être que Salamèche dira ce qui s'est vraiment passé. Les amis recevaient les chaussettes de cheminée. Et quand ils sont revenus, ils n'ont pas trouvé leur cadeau aussi. Mais où est-elle? On dirait que le voleur a laissé un message. Quelle fille insolente! Elle a décidé qu'elle pouvait voler Noël. Mais le Père Noël veut pas la laisser faire. Ils ont décidé de commencer les recherches à partir de la grotte de Mommy. Mais d'abord, ils doivent réparer la guirlande et rendre la pièce lumineuse. Ou sinon, ils verront pas l'épreuve. Mommy n'est pas la meilleure électricienne. Exactement. Tu dois toujours porter des gants de protection lorsque tu travailles avec de l'électricité. Élégant et sûr. Génial, le premier fil est prêt. Mais quelque chose ne va pas. Waouh, pourquoi pas s'amuser un peu? C'est une fête room cool. Ok, ok, ça suffit. Eh les gars! De quelle couleur doit être le fil connecté au fil rouge? Like cette vidéo et écris dans les commentaires. Excellent, tout fonctionne maintenant. Bouh! N'effraie pas le Père Noël, il n'a pas le temps pour des histoires d'horreur. Un vieil homme attentif a remarqué quelque chose d'intéressant. Cette mèche de cheveux verts n'est clairement pas la coiffure de Mommy. À qui sont ses cheveux alors? C'est un casse-tête de coiffure difficile. Ok, le Père Noël a des idées. Il doit partir. Non, il n'a pas besoin de compagnie. Mommy a des choses à faire. La chambre va pas se nettoyer toute seule. Et le détective Klaus travaille sur son tableau de preuves. Il a fait des progrès. Et le Père Noël est prêt à passer à autre chose. La maison des Rainbow Friends est la prochaine sur la ligne de détective. Oh là là, je peux pas imaginer ce que ce gars a dû traverser. Quelqu'un l'a attaqué et l'a même meurtri. Et quelle est cette boîte suspecte avec des jambes? Hé, hey, qui es-tu? Il est si facile à effrayer. Waouh, Green aime aussi faire peur. Les gars ont décidé d'espionner un peu. La magie doit intervenir maintenant. Ah, le danger est passé. Oh, mais qu'est-ce qui va pas avec notre pauvre Rainbow? Sa tête fonctionne comme une caméra. Ça va nous aider à trouver plus d'indices. Est-ce que tout va bien? Pour que ce type fonctionne, ils doivent entrer un mot de passe. Peut-être ça? Oups, erreur. Hey, fais attention! Oh, et voici le mot de passe. Ça a marché.
garde juste la tête droite. Génial! L'accès est ouvert. C'est comme ça que ça s'est passé. L'intrus vert a battu Rainbow. Attends, donc il a fait ce gâchis lui-même? Le Père Noël pensait que son Rainbow Friend lui mentait. Mais il est aussi victime du plan diabolique du Grinch. Klaus ne le croit pas. C'est une histoire de Noël incroyablement confuse. Mais le détective aux cheveux gris ne va pas abandonner. Plus un indice pour le tableau du chercheur de vérité. Ah, tellement de gens qui veulent raconter leur histoire. Qui est le prochain? Pikachu, à toi. Non, la Pokéball est impuissante dans cette situation. Le Père Noël sait ce qu'il doit faire. Bienvenue dans la cuisine de Pokémon. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pika Pika Chou Chou! Nos héros ont remarqué que l'arbre de Noël était décoré en bas. Eh bien, le combo magique a aidé à trouver le piège. Mais comment vont-ils atteindre l'arbre? Le sucre d'orge magique arrive à la rescousse. Oups, ça a pas marché. Ils doivent trouver comment éteindre les lasers. C'est là qu'ils ont besoin de la magie de Pikachu. Un tir sur le bouclier et le piège n'est plus dangereux. Mais ils ne peuvent pas tirer avec un sucre d'orge. Super Pika! T'es le meilleur tireur d'élite Pokémon. Les voilà! Les bras de Noël que les Pokémon cherchaient. Mais qu'y a-t-il d'autre ici? Ont-ils fait ça eux-mêmes? Silence! Le Père Noël a congé les Pokémon pour comprendre les choses. Waouh, je me demande à qui appartient ce gant. Plus un indice important. Ronflex a fait un spectacle parodique. Il ressemble vraiment au Père Noël. Mais il vaut mieux qu'un vieil homme ne voit rien. Hein? Quoi? Rien de spécial n'est arrivé? Ok, ils ont rassemblé les preuves, et il est temps de tout mettre en une seule chaîne. Oh, il a de la peinture partout sur ses mains. Alors, d'abord les cheveux, un bracelet et un gant. Et si on se débarrasse de la peinture? Du vert au rose. C'est le truc de Momie. Elle a volé tous les cadeaux de Noël. Calme-toi, on va trouver une solution maintenant. Hé, hey, t'as oublié Ronflex? Ah, tu l'as pas oublié. Allez, Pokémon. Quel merveilleux bébé Klaus. Mais qu'est-ce que le Grinch manigance? C'est l'heure de jouer à cache-cache. Super, tous ceux qui vivent dans l'univers Troom sont ici. Oh, c'est impossible de regarder ce bébé et de ne pas être touché. Une merveilleuse petite fille. On doit lui donner une friandise. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est un peu suspect. Oh non! Le méchant Grinch a rassemblé tout le monde ici pour les prendre dans sa toile. Et comment vont-ils s'en sortir? Voici celui qui a volé leur surprise de Noël. Le Grinch a pensé à cette astuce de vol depuis longtemps. C'était pas difficile de mettre les Rainbow Friends hors service. Pendant que l'ami bleu dormait, le Grinch a enfilé son costume et a semé la pagaille à Noël. Et ensuite, elle a enlevé tous les cadeaux. Le criminel vert a fait la même chose dans la maison de Pikachu et Salamèche.
Il semble inutile d'implorer la pitié du Grinch. Elle veut détruire Noël. Mais pourquoi pas un petit cadeau? Waouh, le mauvais sort est rompu. Momie est de retour. On dirait qu'elle est vraiment désolée pour ce qu'elle a fait. Il n'y a plus de toile et de maléfices. Tu pourrais t'excuser auprès de tes amis pour tes tours. Ok, Noël est une fête qui peut rendre tout le monde ami à nouveau. Les gars sont plus en colère contre Momie. Il est temps d'illuminer l'arbre de Noël. C'est trop beau. On va ajouter des guirlandes brillantes. C'est magique. Trop cool, c'est la meilleure fête de tous les temps. On va danser jusqu'au bout de la nuit. Tiens, prends ça. Je vais tout déchirer sur le dance floor. Ouais, je me sens bizarre. Faites du bruit! Je me sens pas très bien. Quelqu'un en veut? Oh non! On sait que c'est toi qui es derrière tout ça. Montre-nous ton visage. C'est pas ce que vous croyez? Oh, hé, Barbie! Hé, Belle! Hé, Barbie! Hé, Ariel! Hé, hé, Tiana! Hé, Barbie! Hé, DJ! Oh, hé, Barbie! Hé, Ken! Ken, qu'est-ce qui lui arrive? T'inquiète pas, il est mort. On doit découvrir qui a fait ça. Je vais mener ma propre enquête. Le corps de Ken. Preuve numéro 1. On va en chercher d'autres. C'est toi qui as fait ça, Barbie? Pas du tout. Je le jure, j'ai rien fait. Mieux vaut avouer tout de suite. Réponds. Dernière nouvelle. Nous sommes en direct depuis la scène de crime. Je le tuerai pas pour avoir une place de plus. Pour moi, ce serait un bon motif. Barbie, la tueuse au pop-corn. Quoi? Jasmine! Éteins ta caméra tout de suite! Arrête de filmer! Et le caméraman alors? Éteins ta caméra! Et la caméra de sécurité? Mais oui! On devrait regarder les images! Je fais pas confiance à Belle. Allons-y! Oh non! Au secours! Arrête de crier! Tu veux pas d'ennui, n'est-ce pas? Belle? Quoi? Comment elle est arrivée là? Regardez! Quelqu'un connaît le mot de passe? C'est bon, j'ai trouvé! Tout a l'air plutôt normal. Je peux en avoir? En fait, laisse tomber, je suis au régime. Quoi? Elle est encore venue avec lui? Juste un bonbon alors! Désolée, je suis tellement maladroite! Tiens ça! Ma tenue est fichue! On va continuer à regarder. C'est qui ça? Burke! Je vais être toute collante! Faut vite que je me change. Barbie? Je crois que j'ai trouvé mon déguisement! Je supporte pas la violence! On va faire avance rapide. Regardez, elle est là! D'autres questions se posent. Barbie est-elle une poupée innocente ou une machine à tuer? Hé, quelqu'un a effacé les images! Qui pourrait bien faire ça? Attendez, je me rappelle d'un truc. Allez, plus vite! Oh, les amis? Ciao, tout le monde! Belle? Mais bien sûr! Ça doit être Belle! On doit l'interroger. C'est pas facile d'être Belle. On l'a trouvée! Je suis pas ravissante comme ça? Est-ce qu'elle a la rage? Quoi? Essuie ça tout de suite! Merci, meuf. Tu parleras quand on te l'autorisera. Pourquoi vous m'avez attachée? J'ai rien fait du tout! Ah, vraiment? Qui a effacé les images de sécurité alors, hein? Très bien, c'était moi! Oh! Vous voyez, je suis une super détective. Je voulais pas que vous voyiez ça. C'est un secret, mais je vais tout vous dire. Pourquoi on dit que t'es un monstre? Les gens savent pas de quoi ils parlent, ma belle. Approche, mon amour. Attends, c'est encore ces paparazzi. Éteignez cette caméra, y a rien à voir ici. Je vais m'en occuper. Je dois supprimer ces images. Envoyer à mes amis? Non, non, non! Stop! Pourquoi je suis naze en informatique? Il faut que je supprime cette vidéo. Oh, on dirait que ça a marché. Parfait. C'est exactement ce que je souhaite. Personne doit être au courant. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Ah, très bien, c'était pas toi. Mais, Huggy, je suis pas sûre que ton prince soit d'accord. Très bien, mesdames. On a besoin de nouveaux indices. Vous n'échapperez pas à l'inspecteur Ariel. Hé, les followers! Écrivez en commentaire si vous trouvez quelque chose de hashtag suspect.
On n'est pas loin de résoudre cette affaire. Je me demandais qui sont ces cheveux. J'y crois pas. T'as vu ça? Waouh, quel long cheveu! Cette mèche ne s'arrête jamais ou quoi? On dirait que Ken a été tué par un terrible coiffeur. Ou par Chewbacca, quoi. On a assez d'indices pour faire une perruque entière. À qui appartiennent ces longs cheveux? C'est sûrement pas ceux du DJ. C'est pas mon style. Tiana, bouge pas. C'est pas les siens. À qui ils peuvent bien être? Jasmine, laisse-moi vérifier. C'est la même longueur que toi. Regarde la couleur, c'est clairement pas la mienne. J'ai plus de suspects en tête. À qui appartiennent ces cheveux? Écrivez en commentaire à qui ces cheveux pourraient être. Et si on suivait la piste? On dirait qu'elle vient vers moi. Je crois que j'approche. J'espère qu'elle me chopera pas. Ah, je t'aurai. Réponse? Est-ce que c'est toi? Non. C'était donc elle depuis le début? Je suis innocente, je le jure. Vous vous trompez de princesse. Pourquoi t'as tué Ken? Où t'étais aujourd'hui? Je jure que c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous expliquer. Ken et moi, on a juste dansé un peu ensemble. Je lui ai recommandé du shampoing pour ses cheveux. Cette fête est d'enfer! J'adore l'odeur des fraises et des fleurs sauvages. Moi aussi. Une bouteille entière de shampoing ne suffira pas. Oh mais attends, j'ai une idée. Et si on sautait à la corde? Yes! Je savais que j'y arriverais. C'est parti! Allez les filles, tirez plus fort! Tiens bon Belle, c'est trop dur! Wouhou! On a gagné! Viens, on s'en va d'ici. Et maintenant, limbo! J'y vais en premier. Fastoche! À mon tour! Ça, c'est pour toi. Génial! Merci, Réponse. Grâce à toi, c'est la meilleure fête de ma vie. Est-ce que j'ai apporté ces ciseaux pour rien? Snip, snip! Et si on faisait une photo? Dis Ken! C'est qui, ça? Tu me reconnais pas? Tu caches la photo! Fais gaffe, elle est bizarre. Ha! Main d'argent! Retourne dans ta maison, chelou! Vous pensez pouvoir vous moquer de moi? Vous allez le regretter! J'ai pas revu Ken depuis. Ouais, je me rappelle de cette nana tarée là avec ses ciseaux. Une coiffeuse bizarre? Réponse? Qui a vraiment tué Ken? Hé, où est passé tout le monde? Cet endroit est flippant! On devrait appeler Cendrillon. Pas étonnant qu'elle ait pas d'amis. Oh, regardez! C'est un sanctuaire dédié à Ken. Elle est obsédée par lui. La voilà! J'ai peur! Là! Dans le placard! Je vous ai manqué? Je crois que le bruit venait de là. Ah! Elle est vraiment tarée! Bien, bien, bien. On dirait qu'on a des invités. Elle va nous tuer! Allez, détendez-vous! Je fais que de plaisanter. Ah, t'es une sacrée farceuse. Est-ce que c'est tes ciseaux qui ont fait ça? Mon amour! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi? C'était forcément toi. On doit t'interroger. Je lui ferai jamais de mal. Voilà ce qui s'est passé à la fête. On peut prendre un selfie? Herc, éloigne-toi de moi. Bon bah, tant pis. Je me rajouterai avec Photoshop plus tard. Mon amour. Qu'est-ce que t'en penses? Attrape! Les filles! Quelle loseuse! Bon appétit! Personne ne m'aime. C'est pas grave, je m'en fiche. Et c'est tout. Oh, mon pauvre Ken. Oh, c'est tellement touchant. Je croyais qu'on finirait ensemble, moi, un jour. Et maintenant, tout espoir est perdu.